Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un effet chromé, donc effet miroir sur cet ongle. Alors voilà, si vous n'avez pas vu donc le début de la vidéo, je vous montre dans une autre vidéo comment rallonger un ongle extrêmement court, donc comme un ongle rongé puisque je me l'étais cassé. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer finalement comment faire un effet chromé. Alors pas tout à fait comme celui-là, là j'avais fait différemment. Ça encore une fois, cette pose vous la retrouvez également sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va voir par contre l'effet chromé sur le petit doigt puisque c'est quelque chose que j'avais envie de vous montrer depuis un moment. Donc là, bien sûr, j'ai désinfecté, repoussé les cuticules, préparé l'ongle, rallongé, mis en forme mon ongle pour créer un léger bombé. Et maintenant, je vais venir donc appliquer mon gel de couleur, donc le gel noir. Alors pourquoi je choisis le gel noir? Puisque pour un effet miroir, il faudra toujours mettre du noir en dessous. Si après vous voulez un autre effet, un effet aurora ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien choisir d'autres couleurs. Je l'ai déjà fait avec par exemple la couleur blanc, rose, vous pouvez faire avec du violet, enfin n'importe quelle couleur. Mais là en l'occurrence, il faudra du noir. Donc du noir plutôt bien opaque. Donc c'est ce que je vous propose aussi. Donc ça c'est tous les produits Your Nails, donc que vous retrouvez sur le site www.yournails-international.com. Et donc vous retrouvez tous ces produits, les semi-permanents, les gels que j'utilise, cleaner, enfin tout ce qu'il faut. Je propose également des kits et je propose des réductions pour mes élèves. Donc si vous voulez voilà, prendre une formation, vous pouvez donc bénéficier de 20% de réduction sur les kits actuellement. Donc ce sera peut-être pas toujours le cas, mais actuellement vous bénéficiez de 20% sur les kits, donc sur un kit au choix. Voilà, donc j'ai appliqué ma première couche. Je vais laisser catalyser environ 30 secondes parce qu'elle est assez fine. Et ensuite, donc je mettrai la seconde couche. Alors surtout, il faut bien faire attention de ne pas mettre de gel sur les autres ongles parce que sinon, bien sûr, il y aurait un problème. Le problème, c'est que ça resterait, ça catalyserait. Et donc, voilà, ça m'est déjà arrivé de faire l'erreur. Et j'étais bien embêtée après puisqu'il fallait que je le refasse. Voilà, donc si vous n'y connaissez rien du tout dans les ongles, je vous propose une formation d'initiation gratuite. Vous retrouverez le lien sous cette vidéo, donc dans la barre d'infos. Il suffit de faire dérouler la barre d'infos et donc d'aller prendre ce lien et de cliquer dessus pour ensuite accéder à la formation gratuite. Je vous offre un accès également à une conférence que je propose qui s'appelle Succès et Liberté, qui va vous permettre de savoir donc comment je suis passée de 300 à plusieurs milliers d'euros par mois. Voilà tout ce que j'ai mis en place et plein plein de choses, comment vous pourrez vous aussi accéder à la liberté, à l'indépendance et à toutes ces choses qui sont finalement très très importantes. Donc j'applique à présent une seconde couche. Vous voyez que je reste toujours éloignée des cuticules. Et à la deuxième couche, je me rapproche un tout petit peu plus. Donc là, je travaille de ma main gauche. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas l'idéal. Donc c'est pour ça que je prends mon temps. Voilà, je préfère prendre mon temps pour appliquer le gel plutôt qu'après passer du temps à nettoyer les contours. Donc j'avance vraiment très doucement. Donc si vous n'avez pas l'habitude d'en appliquer, finalement peut-être que vous serez doué de la main droite comme moi de la main gauche. C'est ce que mes élèves me disent souvent. Et donc du coup, prenez votre temps. Voilà, ne vous précipitez pas. Ça ne sert à rien. Et voilà, on va à nouveau laisser catalyser. Environ, bah là, la deuxième couche, j'aime bien laisser 1 minute. Donc, je vais laisser catalyser pendant 1 minute. Bah, je propose aussi actuellement la formation maquillage qui vient de sortir il n'y a pas longtemps du tout. Donc, c'est une formation qui va vous permettre également de gagner
Peut-être même encore plus rapidement qu'avec les ongles. Après, tout dépend si vous aimez ou pas. Le maquillage, vous n'avez même pas besoin de maquiller finalement, puisque je vous propose un concept totalement différent. Je vous explique dans une vidéo comment gagner plusieurs milliers d'euros en finalement 2 heures par semaine. Voilà, si vous avez envie de travailler 2 heures par semaine, vous pouvez gagner de 1000 à 2000, voire plus, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, entre 1000 et 2000 euros en travaillant 2 heures par semaine, c'est plutôt bien, je trouve. Voilà, donc ça, c'est vraiment du travail chez la cliente. Bien sûr, en dehors, il y aura un petit peu de travail aussi en amont et ensuite, mais voilà, vous travaillez vraiment pas beaucoup et c'est très très intéressant. Donc, j'en parle dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos également, pour en apprendre vraiment beaucoup sur le sujet et sur tout ce que je propose, puisque finalement, si vous avez envie de changer de vie, et ben c'est quelque chose qui peut vous convenir tout à fait. Donc mon ongle a catalysé, maintenant avec un carré de cellulose sec, je viens passer pour enlever le film de dispersion. Bien sûr, je ne mets pas de cleaner par-dessus. Je veux quand même garder un tout petit peu de collant. Alors on le sent plus le collant comme ça, mais vous allez voir que finalement quand on va appliquer les pigments, ils vont rester accrochés. Donc voilà les pigments. Donc on a la possibilité d'utiliser finalement un petit embout en mousse ou le doigt, voilà, il y a différentes possibilités. Finalement moi j'aime bien utiliser quand même l'embout mousse puisque voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc je vais tremper un côté dans les pigments et je vais venir l'appliquer par-dessus. Donc je vais quand même en mettre suffisamment. Donc pour l'instant j'essuie pas, hein. Je mets les pigments. Je tapote sur la surface. On peut justement même mettre le doigt au-dessus des pigments pour éviter justement d'en mettre partout autour. On passe bien au niveau de la cuticule pour ne pas en oublier sur les côtés. Et ensuite, on va venir enlever le surplus. Et là, la magie opère. On va avoir un superbe effet chromé. Et vous voyez que j'ai pas utilisé de finition sans résidu, hein. J'ai uniquement utilisé donc mon noir et j'ai enlevé le film de dispersion avec un carré sec. On peut maintenant même enlever le surplus avec le doigt. Faites attention quand même. Voilà, et là vous voyez qu'il brille vraiment bien bien bien. Alors là on voit pas vraiment en vidéo ce que ça donne, mais c'est vraiment très très joli. On peut également donc retourner et utiliser l'autre côté pour enlever le surplus. Et là, tout simplement, on va passer la finition et ce sera déjà fini. C'est extrêmement rapide et c'est très très joli donc au niveau du résultat. Donc là, je passe ma finition brillante. Bien sûr, là, on ne veut pas d'effet mat, donc on veut vraiment utiliser la brillance. On applique la finition. Donc je propose finalement deux produits comme ça, base et finition. Il y en a un épais, un fluide. Et le épais est vraiment très très bien si vous voulez créer un tout petit peu de bombé sur des ongles en semi-permanent. Donc ça permet de remplacer le gel et c'est vraiment top top top. Par contre, il est moins brillant, donc je l'utilise jamais en finition. Donc j'utilise toujours le fluide en finition. Et là, éventuellement, on peut retoucher un tout petit peu le bombé si nécessaire. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment l'avoir très très fin sur l'avant. Donc je vais enlever le surplus sur l'avant, que je vais tirer finalement plus vers le milieu. Je vais tirer ce que j'ai sur les côtés. Vérifier encore une fois avant de le mettre dans la machine. On peut aussi le mettre à l'envers quelques instants pour que vraiment le gel se concentre bien au centre. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Et ensuite, sans trop attendre, on va venir le catalyser. Et ensuite, on n'aura plus qu'à finalement enlever le film de dispersion.
appliquer un petit peu d'huile parfumée. Voilà, je propose aussi des huiles parfumées qui sont très 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 sympas, que les clientes adorent. Donc ça, c'est vraiment voilà, mon petit plus que je fais toujours à la fin. Et voilà, ça plaît beaucoup aux clientes, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis n'hésitez pas à tester l'effet chromé. Donc j'ai l'effet chrome et je vais rentrer également plein plein d'autres couleurs en pigments. Là, j'en ai un sous la main. Je vais juste le sortir. Par exemple, là, vous voyez, c'est des autres petits pigments. Donc, ceux-là sont plus verts, roses. Enfin, il y a pas mal d'effets. Et c'est vraiment très, très sympa comme pigment. Donc, là, j'en ai rentré une petite dizaine, donc différents. Et donc, vous aurez le choix entre plein de pigments. Vous trouverez aussi plein d'autres nail art sur le site. Voilà, là, je finis de laisser catalyser. Alors, pour finir, moi, j'aime bien laisser 2 minutes pour que le brillant soit vraiment bien, bien brillant. N'hésitez pas à le laisser assez longtemps. Pas plus de 3 minutes par contre pour du semi-permanent parce que sinon du coup on perd la brillance. Donc il faut toujours le juste milieu, donc entre 1 minute et 3 minutes, voilà, c'est on va dire 2 minutes et demie, c'est bien. Donc là je le remets encore 30 secondes et ce sera fini. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas donc à la partager, n'hésitez pas aussi à liker, mettre un petit pouce, vous inscrire, enfin vous, oui, vous inscrire à une formation d'initiation ou à une formation professionnelle et aussi à vous abonner à la chaîne si vous aimez, comme ça vous serez tenu informé des prochaines vidéos. Je vais essayer vraiment de mettre des vidéos assez régulièrement, 2 à 3 par semaine. Je vais essayer, c'est pas évident puisque je suis toutes mes élèves 7 jours sur 7, donc voilà, il me reste plus tellement de temps pour faire des vidéos, mais j'aime beaucoup vous aider. Et donc du coup, voilà, c'est l'une de mes priorités pour cette année, c'est de vous faire plein de vidéos. Mais bien sûr, voilà, vous en apprendrez bien plus dans une formation, dans la formation que je propose. Et voilà l'effet chromé, vous voyez que c'est différent de celui-là, là j'avais mis un vernis avec juste quelques pigments par-dessus, là on voit vraiment bien l'effet chrome, donc qui est l'effet miroir, qui est très sympa, qui est beaucoup plus sympa d'ailleurs en vrai qu'en vidéo, c'est un petit peu dommage, ça prend pas très bien, mais voilà, c'est sympa. Je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. We'll be right back.